Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Et les amis, dans cette vidéo on va se faire une toute nouvelle customisation. Donc comme vous voyez là, j'ai le petit monstre, la 488 Pista. Cette voiture est juste magnifique, enfin franchement moi j'adore. Mais bon, là n'est pas le but de cette vidéo. Allez, on est parti, on va se faire donc la petite 370Z qu'on a dû acheter donc pour le dernier summit. Donc le Rising Sun. Alors allez, ouais, du coup ils m'ont mis cette quête de photos. Bon, on va attendre 2 secondes que ça parte parce que sinon je peux pas appuyer sur l'ascenseur comme vous voyez. Ça c'est pratique ça, tiens. Voilà, donc là c'est bon. Allez, on peut descendre, on va au garage et on attaque cette petite customisation. Donc voilà, bon bah du coup la voiture je la possède déjà hein, vu que forcément j'ai fait le live summit. Allez, on est parti pour la customisation et après en cas on ira faire un petit tour de drift. Pièce esthétique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Alors les amis, je vous dis de suite, s'il y a du lourd, je vais mettre du lourd. Hein. C'est une voiture de drift là, c'est clair que je vais envoyer du steak. Bon, par contre là, c'est un peu trop du steak quand même. Alors là, je sais pas trop c'est quoi ce capot, mais c'est... Bon, en fait, c'est pas très beau au final. Non, là, c'est un peu trop abusé pour moi. Je vais rester dans l'abusé, mais l'abusé soft, on va dire. Alors, pare-choc avant. Oh, donc déjà, on a du kit large, donc ça c'est très bien. Bah, c'est sûr que je vais le mettre, hein. C'est sûr. Ok, donc là, ça change au niveau des feux. Là, ça a changé. Alors, niveau, ouais, du bas du pare-choc. Le bas du pare-choc et aussi les petits anti-brouillards, regardez. Ouais, ça change un peu de couleur, ça fonce un peu. Ok, oh, donc là, c'est tout le pare-choc qui change. Bon, on verra après le capot, mais j'ai vu que le truc en fait il était grave en relief. Bon, je regarderai ça après. Donc là, ok, ouais, sympathique. Ah, donc voilà. Donc là, avec le kit large, tout en carbone, c'est pas mal. Toute la calandre en carbone devant, sympathique. Alors après, ok, donc là maintenant en fait c'est les mêmes pare-chocs, mais avec le kit carrosserie, si je comprends bien. Ouf. Ouais, donc là. Là, ça me fait plaisir. Voilà, moi j'aime l'abuser, surtout sur des bagnoles de drift. Donc là, c'est pas mal. Alors là, c'était le 10. Ok, ok, ok. Ouais, donc là, on se retape tout ceux d'avant. Ouais, voilà. Donc là, le 20 il est comme ça et le 21 comme ça. Alors, quelle est la différence? Avec celui-là et le 10. Alors attendez 2 secondes parce que là je vois pas trop la différence au final. Alors ok, comme ça. Et le 10 on a dit. Je vois pas du tout de différence. Alors est-ce que c'est le kit carrosserie qui est plus léger? Je veux dire le kit large. Je sais pas. Je vois pas du tout la différence là. Attendez. Bah je sais pas. Franchement. Je vois pas la différence. Je vois pas la différence entre les deux. Bon, alors, c'est où je pars sur celui-là. Attendez, on va regarder vue d'ensemble. Ouais, ça fait bien bagnole de course, quoi. Donc, c'est où je pars là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu abusé. Où je pars sur ce modèle-là. Celui-là aussi était pas mal. Mais non, je préfère celui-là. Il y a tellement de choix là que j'avoue, j'ai un peu du mal à choisir. Bon, alors c'est où lui? Où lui? Alors les amis, lequel vous aurez choisi vous? Bon, je sais qu'il y en a qui vont préférer le plus basique. Et il y en a d'autres qui vont aimer le plus hardcore. Allez, vous savez quoi? Je vais faire une basique. Enfin, basique. On va faire du soft pour celle-ci. Et pour l'autre, je ferai un truc abusé. Alors, ok, ça, ok. Alors, les jantes. Ok, donc ça, celle d'origine. Ah ouais, donc il n'y a pas d'autres modèles de la marque. Donc là, on passe directement sur des jantes custom. Bon, celles-là sont super belles. Bon, elles sont super bien faites en plus. Alors, lesquelles je vais pouvoir mettre ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi pas celle-là?
Ah, je peux pas modifier la taille. Attendez. Alors, je vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre d'autres jantes, du coup. Bon, je vais pas mettre des trucs un peu chelous là. Alors, lesquels seraient pas mal? Ah, ça, c'était pas mal. Ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Bon, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, au niveau des jantes là. Ah, ça, c'est sympa aussi. Ça, c'est sympa. Alors, ça, je vais mettre ça. Mais dis donc, on peut pas changer la taille ou quoi? Ou c'est moi qui rêve? Bon, allez, c'est pas grave. Je vais partir sur un truc un peu comme ça. Ah, bah voilà, en fait, la taille, c'était après. Ok, d'accord. Ouais, bon, bah, écoutez, je vais laisser ça là du coup. Comme ça, c'est très bien. Et l'arrière, pareil, un poil à moins. Voilà. Ok, on achète ça. Après, couleur d'étrier. Bon, bah là, du rouge. Faut bien que ça ressorte, hein, bien évidemment. Voilà. Après, rétroviseur. Alors, la coque d'origine est comme ça. Et là, ok, on passe sur des petits rétros type F1 en carbone. Pourquoi pas? Allez, j'ai pas trop l'habitude de le mettre. Alors, bas de caisse. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, le noir passe en carbone. Ça marche. Bon, bah, pourquoi pas? Allez. En tout cas, ça reste du soft là pour le bas de caisse. Hein. Alors, aileron, là, vous en doutez que vu la voiture, voilà, ça correspond très bien. Ok, donc là il y a une toute petite lame en carbone en plus. Ok, ça c'est bon, bof. Non, bah pour moi, ça sera bien évidemment celui-ci. Étant donné les pare-chocs que je mets. Alors pare-choc arrière. Putain, déjà rien que d'origine, elle est déchirante. Hein. Ok. Ah ouais, donc là on a le petit rajout du kit large sur le côté. Ça marche. Après, là, ouais. Ah, avec les pots comme ça, ma mamie, qu'est-ce qui est stylé. Un petit style titane sur l'échappement. Pas mal, pas mal. Ok, alors là, 4 pots. Avec le kit large, double sortie. Ok, 4 pots avec le kit large. Ouais, ça marche. Ah, et là, on a ça. Et ça. Bon, bah écoutez, je pense que... Alors moi, ouais, j'ai les visseries sur le kit large devant. Bon bah donc du coup, celui qui va avec l'arrière, c'est celui-là. Celui qui va avec l'avant, c'est celui-là. Alors allez, on achète celui-là. Ok. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon bah du coup, on a fait toute la bagnole, on ne peut pas faire l'intérieur, est-ce que je vois? Non, on ne peut pas faire l'intérieur. Ok, d'accord. Alors par contre, ouais, le capot, bon bah écoutez, de toute façon, c'est où je laisse d'origine. Au final, on n'a pas trop de choix de capot. Hein. Les deux sont, ils sont un peu abusés quand même. Bon, bah écoutez, je vais garder celui-là que j'ai déjà. Hein. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Écoutez, la voiture est quand même plutôt jolie. Juste le capot qui me paraît un peu trop chargé sur le devant. C'est dommage. J'aurais préféré un truc un poil plus soft sur le capot. Bon, ok. Donc les livrées, on va regarder vite fait. Mais bon, je pense que je vais essayer tel quel. Moi, j'aime bien là. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Oh, sympa. Ouais, sympathique ce truc là. C'est sympathique, ouais. Bon, après, je pense pas que je vais le mettre. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est bien fait, mais bon, c'est mat, j'aime pas. Bon, ok. Ah, ça, on connaît. Hein, Tokyo Drift. Ça, c'est quoi? Ah ouais, ça aussi, on connaît. C'est Tokyo Drift aussi. Sur une jaune. Ok, bon bah écoutez là, après c'est minable. Bon ok, ça marche. Bon bah écoutez, moi je laisse la voiture comme ça. Elle est très bien. On va aller vite fait la tester sur le petit circuit qui va bien. Alors attendez, on s'échappe de là. On sort de là. Hop. Donc là, j'ai la petite Ferrari, mais c'est pas ça. Alors, activité. Live Summit, donc là je suis 218e. Tout à l'heure, hier soir, j'étais 165e mondial. Donc ça c'est cool, ça c'était une bonne place. J'ai réussi à faire un drift. Bon, pas énormissime, hein. Moi je suis archi nul en drift. C'est que depuis les Summits que je m'y suis mis. Donc ça va faire une semaine et demie en gros. Bon après j'y joue pas tout le temps au drift. Hein. C'est pas la discipline que je préfère. Je préfère largement plus les courses.
Voilà. Donc, allez. Classement. Drift. Alors, je vais vous montrer vite fait mon score, mais bon, c'est pas un score de ouf, hein. 419 000. Bon, pour moi, c'est un très bon score, hein. Je crois que c'est. Bah, en fait, c'est le meilleur score que j'ai fait en drift depuis tout le début du jeu. Voilà, j'ai jamais fait plus. Donc, c'est pour vous dire que je suis vraiment nul en drift. Et je l'assume. Et je l'assume. Comme j'ai dit, c'est pas ma catégorie préférée. Et d'ailleurs, c'était pareil sur Payback. Je préfère la course. Alors, allez, on est parti. On choisit. Je vais essayer de faire quelque chose de propre, les amis, hein, mais c'est pas dit que j'y arrive. C'était trop cool! Allez. Bon, les amis, je vous promets pas un pur score. Hein. Si j'arrive à dépasser les 100 000, je serai déjà très content. T'as fait mieux que ah, moi. Dommage. C'est la chance qui parle. Bon, je continue. Ouais, c'est pas grave. C'était chaud patate là. Allez, allez, allez. Allez, Titine. Voilà. Allez, c'est très bien. 162 000. Bon, comme vous avez vu, c'est pas mon record, mais c'est déjà très bien. Bon, ben voilà, les amis. En cas, je vais vite fait vous montrer les pièces que j'ai dessus. Comme ça, vous allez voir un peu quelles sont les bonnes pièces. Tout ça, je vais vous expliquer vite fait un peu les pièces moteurs qu'il faut. Alors, menu principal et performance. Donc comme vous voyez, il faut privilégier le glissant et le vélos. Voilà. Parce que c'est ça qui fait, qui vous augmente les multiplicateurs de points. Plus vous avez de points au niveau du glissant et du vélos, et au plus vous allez prendre des points vite, vite, rapidement et facilement en drift. Voilà. C'est tout. Il y a pas d'autre secret. Le glissant et le vélos. Donc voilà, là je suis full 240 parce que bon, du coup je me suis entraîné pas mal de fois, on va dire, mais bon, je suis pas encore au niveau, ça c'est clair et net. Et comme vous voyez, toutes mes pièces, il y a du. Mince, je suis pas au bon endroit. Il y a du glissant, bon, pas sur toutes, mais il y a du glissant et du vélo. J'ai essayé de. Vous voyez, j'ai pas encore les pièces légendaires, hein, je suis à peine aux pièces roses. Donc j'ai essayé de mettre les meilleures pièces que j'avais. Voilà, bon, là j'en ai une, mais bon. Vous voyez, là il y a du glissant multiplicateur 10. 10, pardon, j'ai du mal à le lire. Là, c'est pareil. Du glissant multiplicateur 8. Anti-choc aussi, ça c'est pas mal. Là à gauche, donc la pièce anti-choc. Donc au plus vous avez de pièces anti-choc, et au moins votre voiture aura tendance à toucher les barrières de sécurité et à stopper le drift. Voilà, donc ça c'est cool. Et voilà, donc là ma dernière pièce. C'est celle-là, non. Donc voilà, là il y a ça et celle-là, pareil. Bon voilà. Bon bah du coup les amis, j'ai fini pour ma petite vidéo.
Du coup, je suis 218e. Bon, bah, je vais recommencer à faire un peu de. Je vais recommencer à farmer un peu histoire de voir s'il n'y a pas moyen de gratter quelques petites places. Et puis voilà. Donc, les amis, sur ce, j'ai fini la vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bon game à vous et à plus, les amis. À plus. Ciao!